Bah, je savais que tout le monde était prêt. On s'était bien reposé après la bataille contre l'Égypte. C'était une bataille où on a laissé beaucoup d'énergie. Et je savais que ce soir, on était prêt à faire un gros match. Certes, on n'a pas fait une très très bonne entame. On prend ce but sur pénalty. Mais on n'a jamais paniqué. On est toujours resté dans ce qu'on devait faire. Et ce soir, ça sourit. Il n'y avait pas forcément de l'objectif. C'était vraiment de passer les poules et de rester concentré sur ce qu'on avait à faire. On savait qu'on a un groupe de qualité. On savait dès le départ de la CAN qu'on pouvait embêter pas mal d'équipes. Là, on est qualifié pour les demi-finales. Maintenant, il faut aller le plus loin possible. Ouais. Oui, c'est une grosse performance. Comme je disais, on est super content, on est fier. Et moi, je suis surtout très fier qu'on puisse donner de la joie à tous les Congolais qui souffrent. Ben, écoutez, le milieu de terrain, ce n'est pas mon poste favori, mais moi, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. J'ai joué avec un bras en mauvais état, mais voilà, pour moi, comme j'ai dit, c'est une fierté de représenter mon pays et de me battre, parce que voilà, aujourd'hui, on est en demi-finale. Et je pense que si on avait dit il y a un mois ou que la RDC serait en demi-finale, peut-être on ne nous aurait pas cru. On est très heureux, c'est un peu l'euphorie. On va profiter maintenant, demain c'est un autre jour. On va se concentrer sur le match de mercredi, il me semble. Donc voilà, on le fait pour nous, on le fait pour le peuple, c'est le plus important. On a du caractère. Je pense que l'équipe elle est en train de progresser. On avait lu que leur coach avait dit qu'ils allaient nous mettre dehors. Mais je pense que cette équipe elle a un gros cœur, on travaille depuis un an avec le coach, ça se passe très bien. Donc on va continuer, on va essayer d'aller. Beaucoup de fierté, tout simplement, beaucoup de fierté. Et un soulagement de voir que le travail paye, tout simplement. Il n'y a rien qui a changé, on a continué d'aller de l'avant. Les autres matchs, on avait des situations, on avait des occasions, simplement que ça ne rentrait pas. Aujourd'hui, on a eu plus de réussite. Et donc nous, on n'est pas surpris parce qu'on arrive à mettre en place et parce qu'on arrive à mettre au fond des filets, tout simplement.